Monsieur, bonsoir. Bonjour, bonjour. Bonsoir, bonsoir. Un petit coucou ici, un petit coucou là-bas, un petit coucou ici. Bonjour. Ravi de vous recevoir. Et vous qui êtes tranquillement installé à la maison, au chaud, au frais, je ne sais pas. Nous verrons à la fin de l'émission. Nous verrons à la fin de l'émission un ni oui ni non. Donc pas d'énigme évidemment aujourd'hui car nous sommes vendredi. Et comme chaque vendredi, vous le savez, il n'y a pas d'énigme. J'espère que vous préparez bien le week-end. Impeccable. Pour l'instant, nous allons accueillir, si vous voulez bien, celle qui va passer cette petite heure avec nous. Nous sommes ravis de la recevoir. Voici, mesdames, messieurs, Marie-Sophie Berthier. Un accueil chaleureux. Comment je m'appelle ? Mesdames, messieurs, Marie-Sophie Berthier, un accueil chaleureux. La voici, la voilà. Ravi de vous recevoir. Vous avez l'air en pleine forme. Ouais, je suis. Oui, vous l'êtes. Pas me gêner, là. Bon, impeccable. Bah non, surtout pas. On va parler de votre actualité quand on sera tranquillement installé, d'ici quelques minutes, si vous voulez bien. Et pour l'instant, nous allons rejoindre immédiatement le prince de la magie et le prince du divertissement, mesdames, messieurs, Patrice Carmousse, Bernard Bilis. Allons-y. Hop, hop, et hop. Ah, on ne peut plus rien faire. On ne peut plus rien faire, on ne peut plus mettre de rire ici. Marie-Sophie, vous avez un petit étui ici pour mettre votre esquimau, que voilà. Patrice, bonne journée. Bonne journée. Impeccable, ouais. Bien reposé de la veille. Le vendredi, formidable. Bernard Bilis, en pleine forme également. Ah bah tout va bien. Bah je vois. Tout va bien. Vous êtes Marie-Sophie, vous êtes bon. Nous avons c'est une... normal, la première fois en général, c'est toujours comme ça, c'est mais vrai. Reprenez mais, vos et, moyens. Oubliez-le, il va faire son boulot tranquille. Il faut que vous vous rapprochiez un petit peu de moi, je pense que ça va être pour ça. De vous ou du micro ? C'est les deux. Rapprochons-nous. Voilà. Est-ce que lorsque vous êtes venu sur ce plateau, est-ce que vous avez eu le plaisir de... Oui, il faut mettre ses mains sur sa table également. Est-ce que vous avez eu le plaisir de rencontrer Bernard Bilis, qui est donc, comme je l'ai dit, le prince de la magie ? Lorsque vous êtes venu la dernière fois, non. Était-il non, là ? Non, c'est une première. Non, c'est une première. Voilà, c'est bien ce que je voulais savoir, car il va nous montrer des choses tout à fait étonnantes. On va essayer. Une petite énigme pour commencer. Avez-vous signé avec les Américains ? Non, je refuse. Très bien. Vous venez en France ? Vous restez avec nous. Oui, tout à fait. Impeccable. Vous faites bien. Une petite énigme. Pour Marie-Sophie. Un pari de bar. Un pari de bar. Voilà. Cinq verres. Comment intercaler les verres vides et les verres pleins en ne bougeant qu'un seul verre ? Ben, je vais boire celui-là. Bravo ! Mais c'est dégueulasse. C'est du jus d'orange. Mais non, mais c'est pas fini. C'est pas... Mais si, elle l'a trouvé. Mais c'est pas intercalé. C'est pas intercalé. Ah, elle va le vider. Elle va le vider. Oh, bah dites donc. Elle l'a trouvé, mais elle est extraordinaire. Oh, oui. Dites donc. Bah, bon, quelques bon, applaudissements. Bon, c'est. Et l'envie, c'est qu'il faut boire. Ouais. Écoutez. Je me demande pourquoi je suis actrice. Hein. Actrice bègue avec la cul extravagante. Bravo, bah vous avez gagné. Alors maintenant, comment intercaler un autre verre vide avec les pleins en n'en touchant qu'un. Alors, comme il y a du whisky dedans, dans un quart d'heure, comme ça. vous le connaissiez, non ? On remplit ? Je vous jure que non. Non, mais c'est bien. Bravo. Ah, ouais, bravo. Oui, c'est une esprit de déduction très rapide. Très, très bien. Ouais, on passe au suivant, alors. Oui, oui, bah, mine oui, de oui. rien, comme ouais. ça. C'est-à-dire qu'elle vous a bien cassé oui. le bar. Ah oui, là, c'est très bien, là. C'est que Bernard, pensait que j'allais durer 10 minutes, quand même. Oui, et nous, on sent mauvais, nous. Vous en voulez ? Bah, quel géant. J'ai une petite soif. Allez. Moi, je vais partager avec Patrice. Mais sinon, on peut en servir un autre. Non, non, ça va. Ça va ? Bien. Quand même, la particularité de ce jus d'orange qu'on a déjà eu sur ce plateau, il sent le lait. Ah oui ? C'est du lait d'orange. Non, non, c'est vrai, il a une odeur de lait, sentez. Ah, c'est peut-être du lait de... Bien. Mais sentez. Ça sent le lait. Oui, ça sent le lait. On dirait pas la marque, alors. Oui, ça sent le lait. Ça sent le lait, c'est étonnant. C'est vrai que c'est étonnant. Oui, c'est très étonnant. Alors. Vous avez rien mis dedans. Bien. Alors, vous préférez que j'utilise mon bras droit ou mon bras gauche pour le tour suivant ? Ça dépend pourquoi, je vous en prie. Je sais pas. Je sais pas. Non, mais pour le tour suivant. Prenez vos responsabilités, Marie-Sophie. Vous préférez le bras droit ou le bras gauche ? Bah, vous êtes plus à l'aise avec le bras droit. Je m'en fous, le bras droit alors. Bras droit. Voilà. Qu'est-ce que vous êtes musclé ? Qu'est-ce que vous êtes musclé ? Ah, écoutez, m'en parlez pas. Alors ? Oui, musclé et bronzé, oui. On voit le mec qui travaille. Je vais vous demander de marquer un petit 1 sur la première feuille ici. Un petit 1 ? Oui. Oui, ça c'est un petit 1. Ouais, et vous, sur le 1, à côté du 1, vous, là, vous faites une figure géométrique, ce que vous voulez, un carré, un triangle. Non, non, une figure géométrique, ne l'influencez pas. D'accord, ce que vous voulez. Voilà. Non, c'est, oui, c'est pas un... Oui, d'accord, bon. C'est une jolie figure géométrique. C'est pas franchement une voyelle, si on veut. Allons-y. Numéro 2 ? Bah, c'est géométrique. C'est géométrique. Oui, oui, tout à fait. Pas commencer. Alors, numéro 2. Très bien, vous faites une autre figure. Une figure, mais pas géométrique. Si, si, géométrique. Si, géométrique. Faut une autre idée, là. Non, mais faites les classiques, enfin, comme vous voulez. Bah, c'est ce qu'elle veut. Oh, d'accord. Allez.
Non, mais ça, c'est pas une figure géométrique. Non, mais elle a l'air d'être assez chanchon aujourd'hui. Oui, je pense que. Je sais pas, mais. Ah non, c'est pas une figure géométrique. C'est pas une figure géométrique. Voilà, je vais vous faire un rond, un carré, un triangle. Oh. Non, mais vous faites ou un rond ou un triangle. Chanson, puis elle est cassée. Wow, voilà, très bien. Attendez, s'il faut vraiment que ce soit une figure, il faut faire un deux. Bouche. Non, ça, c'est une vraie figure. Et de toute façon, ouais, c'est la 2, ça. Hein. Je recommence. Voilà, très bien. La numéro 3. Alors, la petite Marie-Sophie, qui a 4 ans et demi, se débrouille quand même très bien. Très bien. Il est bien ton carré. Mais oui, il est bien. C'est pour ça. La numéro 4. Ah, elle a fait des illustrations formidables. Pour l'enfant. Oui. Ah, c'est pas moi qui ai fait l'illustration. J'allais dire. Non, vous avez fait, oui, pardon, j'allais dire un bouquin illustré, en fait. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que vous voulez? C'est pas géométrique, hein. Oh, mais bon. Mais c'est vrai que ça veut dire géométrique. Soyez sérieux. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, qu'est-ce que c'est que ça? Franchement. C'est une poire. Ça, c'est une poire. Oui, c'est une poire. Vous pensiez à quoi? À rien. Bon. Vraiment jamais à rien? Rien. Faut pas vous croire. C'était pour faire avancer la poire. Oui, je mets le blic. Allez-y. Non, dites pas ça, on va avoir un procès. Bon, ben voilà, des figures géométriques. Très, voilà, très bien. Ensuite... Ça dure longtemps, votre truc, ou... 5. Ah bah, ça y est, pas un petit peu, la personne qui est partie. Alors, il y a buvette et sandwich pendant 5 minutes, mesdames, messieurs, si vous le désirez, à côté. Voilà. Je plaisantais. Voilà. Très bien. Oh là, et la numéro 6. Vous en avez 14 dans les mains. Il y en a 6. C'est un rectangle. C'est un rectangle. Très bien. J'ai ici une toupie. Vous voyez, si on envoie la toupie. Oui. Non, laissez. Non, mais là, c'est pour vous montrer comment ça marche. Bah, une toupie, je sais comment ça marche. Non, je suis bien contente. Non, je vais vous montrer, parce qu'il y a des numéros de 1 à 6. Ah, j'ai lancé un peu fort. Vous l'avez envoyé un peu fort. On va l'arrêter un peu. Dure à peu près 10 minutes. Non, mais là, c'est juste pour vous expliquer. Voilà, la main droite. Là, ça tombe sur. Chacun son tour. Vas-y. Ça tombe sur un 6. Et. Ce qui est important, donc on a le choix entre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors maintenant, je vais vous demander à vous... Mais comment ça tombe à quel, par rapport à quel repère? Oui, celui qu'on peut lire, celui qui est en bas. Ah, d'accord. D'accord. Donc je vais vous demander de vous concentrer... Qui est en bas d'où? Et d'envoyer... qui tombe en bas sur la toupie. Oui, donc, en bas, c'est là ou en bas, c'est là-bas? En bas, c'est toujours là. On va dire le plus près de Marie-Sophie. Le plus près de là où elle tombe, la toupie. Voilà, d'accord. On y va? Donc vous envoyez la toupie, en bas, s'il vous plaît. Allez-y. En bas, là-bas. La toupie est lestée sur un chiffre, ce sera toujours le même. Bah, tout à l'heure, c'était 6, alors on va voir ce que c'est. Voilà. C'était 6, ouais, c'est vrai, il est très agacé parce que vous n'arrêtez pas d'être suspicieuse à son égard. Ouais. Vous n'avez pas la magie de Tan du tout. Mais je crois trop en la vraie magie. Vous êtes peut-être. Mais c'est un vrai magicien, enfin, dites-donc. Mais je parlais de la magie. Mais ce qu'il faut, c'est rêver. Alors, quel est le numéro sortant? C'est entre le 4 et le 5. C'est le quoi? C'est le 4. C'est le 4. Donc, la fiche numéro 4, on la prend. Et je vais vous demander de la brûler dans l'assiette, ici. Allez-y. Une demi-heure et demie. C'est une régression terrible. Hein. Regardez bien, on la brûle. On brûle, on fait des pâtés. Vous allez voir, vous allez probablement être de l'état de suspicieux. C'est le triangle. Ce qui est important de savoir, c'est que vous avez choisi le triangle numéro 4. Hein. Oui. Voilà. J'avais les petites poires qui étaient là. Aïe, aïe, aïe. Voilà, là, c'est le triangle. Hein. Je montre à la caméra. Je me suis brûlé les poils que j'avais au bout des doigts. Voilà, très bien. Maintenant, je vais vous demander... C'est bien, c'est sympa le petit feu parce qu'il faisait pas chaud du tout. Oui, c'est bien, c'est bien. C'est un côté très mal. Les bouteilles, sacrées bouteilles, tu peux me laisser tranquille. Maintenant, je vais vous demander de prendre un peu de cendre. On va attendre que ça se... Voilà, très bien. Ça ne pue pas, non. Vous prenez un peu de cendre et vous la posez sur mon bras. Allez. La rouge? Ce que vous voulez. Ça devient chaud. Allez-y, allez-y, carrément. En fait, c'est du yoga, maintenant. Allez-y, encore un peu, encore un peu. Allez-y. Vous avez choisi le triangle, je vais vous demander de frotter la cendre sur le bras. Et là, ça a deux intérêts. Premièrement, parce que c'est très agréable. Frottez plus fort. Ah bon? Ouais. Ah ben là, je frottais. Voilà. C'est chacun son truc, hein, Bernard. Oui, mais enfin, ça n'a pas l'air désagréable non plus. Et bien, c'est bon. Et là, regardez bien, on ne le voit pas très bien encore, mais rajoutez un peu de cendre. On commence à voir se dessiner ici, sur le bras. Un triangle. Ici. Dites donc, c'est un subterfuge, votre truc. Enfin, je veux dire, c'est un... Hein, j'ai pas besoin de faire des tours de magie pour qu'on me fasse ça. Hein. Et si vous regardez bien, vous avez un triangle dessiné sur le bras. Il y a un triangle, on va regarder. Ouais. Ah oui, il y a un triangle, messieurs, attendez, bougez pas, excusez-moi. Il y a un triangle. Il y a un triangle. Voilà. Ça, si c'est pas de la magie, Marie-Sophie. Vous voulez voir s'il y a autre chose d'ailleurs? Ouais. Si on frotte là, il apparaît les pipelles. Moi, là, il y a la poire. Attendez. Là, moi, sur ma cuisse, j'ai losange, moi. Il n'y a que le triangle. Mais ça suffit, Marie-Sophie, maintenant, ça va. Mais c'est très agréable, moi, je trouve. Oui, mais oui, pour vous, peut-être, oui. Je ne suis pas jaloux, mais enfin bon. Bon, voilà. Non, il y a un triangle, il y a un triangle. Il y a un triangle.
Donc, alors Et après, c'est la pub et on retrouve Bernard Bilis tout de suite après, mesdames, messieurs. À tout de suite avec Marie-Sophie, Bernard, Patrice et tout le team. À tout de suite, merci beaucoup. Mesdames, messieurs, nous voici de retour au centre de la maison de la radio avec la ravissante Marie-Sophie Berthier qui est avec nous. Marie-Sophie, elle, Berthier, Marie-Sophie Berthier. Elle, Berthier, de la Meulemelière, de la Tour de Grenelle. Et que le dernier ferme la porte. Non, exactement, en passant par le petit pont et la première à droite. D'accord, donc je dis Marie-Sophie, puis ça ira oui, comme ça. Oui, à mon avis, oui. Très bien. Bernard, non, rapidement, on s'est promis que vous finissiez. Attendez, je suis tellement impressionnée par le coup. Non, vous n'êtes pas impressionnée, vous êtes suspicieuse. Non, pas du tout. Je rectifie le tir. Je rectifie le tir, j'en rajoute. Vous la montrez à la caméra, là. Celle-ci, Marie-Sophie. Ça y est. Très bien. Attention, je reviens. Pardon, voilà. On la remet. Je la remonte parce qu'il y a eu un petit coup de brillance, si vous permettez. Voilà. Très bien, on la remet. Vous me dites stop quand vous voulez, comme ça. Stop quand vous voulez. Ici. Voilà, ça c'est la méthode française pour mélanger les cartes, on est d'accord? Oui. Et selon les pays, on mélange différemment. Par exemple, aux États-Unis, vous verrez, on mélange comme ceci. Vous avez en Russie, vous avez comme cela. Pas mal. Vous avez la méthode chinoise. Je ne suis pas chinois, mais ça devrait marcher quand même. Une seule main. Joli. La méthode belge. On va refaire la méthode belge parce que je ne suis pas sûr que... Voilà. Et enfin, la méthode japonaise où on met des cartes dans tous les sens, ce qui fait qu'on a des cartes face en l'air et des cartes face en bas, un peu dans tous les sens. Face en l'air et face en bas. Et si on fait... À ce moment-là, toutes les cartes reviennent dans le même sens. Sauf une carte. Quelle carte avez-vous choisi? Moi, plus. Ah ben, le 6 de carreau. 6 de carreau. 6 de carreau, mesdames, messieurs. Applaudissements vers vous. Merci Bernard, bravo. Oui. Si vous désirez, mesdames, messieurs, à bientôt Bernard, vous revenez la semaine prochaine. Si vous désirez partir au Kenya, c'est très facile, il vous suffit de faire le 3615 code TF1 rubrique coucou. Avez-vous, Marie-Sophie, envie de partir au Kenya? Non. Connaissez-vous le Kenya? Je suis allée il n'y a pas très longtemps faire un safari en Afrique du Sud. Pas pareil que le Kenya? C'est pas exactement pareil, mais enfin c'est... C'est Afrique de l'Est. Mais enfin bon, si vous ne désirez pas, donc je ne vais pas m'adresser à vous, je vais m'adresser à mes camarades et spectateurs qui voudraient donc partir au Kenya et qui vont donc faire le 3615 code TF1 rubrique coucou avec Trans Safari pour séjourner à l'Ocean Village Club situé au sud de Mombasa sur une magnifique plage de l'océan Indien. Et c'est absolument somptueux, Patrice, vous en conviendrez. Oui, c'est parti pour un safari photo de 3 jours. Sur la piste des animaux sauvages. Wild Animals, dans la réserve naturelle de Tsavo. Voilà. De Marseille. TF1. Rubrique coucou. Voilà, très bien. Patrice, vous avez à côté de vous Madame Péter. Madame Péter, parce qu'il y a 20 ans, il faut savoir qu'on a retrouvé notre ancêtre. Bonsoir Madame. Notre grand-tante. C'est pas grave. Notre grande-tante. Bonsoir, notre madame. Grande-tante. Marie-Sophie, Madame Péter. Germaine Péter. Christophe, Patrice. Paléontologue. Paléontologue, directeur de recherche au CNRS et auteur de Lucie. Lucie retrouvée. Hein, Madame Péter? Oui, je suis l'auteur avec une de mes collègues, Brigitte Senu, qui est actuellement à la recherche d'autres ancêtres encore en Afrique. Alors, que peut-on dire aujourd'hui de... Vous êtes-vous déjà intéressé au cas de Lucie? Il y a eu un film... Je dis une bêtise, il y a eu un film... Peut-être qu'il y a eu un film. Non, il y a eu un film à propos de Lucie, etc. C'était, je crois, que Depardieu et Sigourney Weaver, non? Il n'y avait pas l'histoire de rechercher Lucie et tout ça? J'ai dit une bêtise, c'est pas grave. Je cherche Lucie désespérément dans ce débat. Non. Oui, merci. C'est rien. Lucie, ce qui est important, c'est qu'elle a... Attends, qu'est-ce qui est important? C'est important, Patrice, c'est important. C'est important, c'est parce que je disais c'est notre ancêtre à tous. Non, pas je disais. Si, bien sûr. Germaine dit c'est oui, notre grande-tante. C'est notre grande-tante. C'est une femme, en tout cas. C'est une femme qui avait 20 ans quand elle s'est trouvée enfouie sous des sédiments. Et il y a de cela... 3 millions d'années. Quel rapport avec cette vallée envahie par les eaux que nous voyons, c'est-à-dire eh bien, en fait un fleuve. Le rapport, c'est que ce spectacle nous donne une bonne image de l'environnement dans lequel Lucie vivait. Ou Lucie vivait. Et comme vous pouvez voir, il y avait de l'eau, des prairies, plus ou moins marécageuses. Qu'existait-il encore comme animaux? Il y avait énormément d'animaux, des ancêtres des espèces actuelles, et puis quelques animaux disparus. Du type Par exemple, il y avait 4 éléphants au lieu d'un seul éléphant actuellement. Quatre types d'éléphants différents, dont un mammouth, et puis un autre éléphant qui était déjà près de son extinction et dont les défenses étaient...
dépendaient de la mâchoire inférieure et elles étaient recourbées vers le bas. Ce qui était très désagréable. Et ça devait être quand même pour faire des fouilles pour l'éléphant, oui. Quelque chose de très très pratique. Je pense. Marie-Sophie ? Moi, je voulais savoir si ça, c'est une reconstitution de Lucie telle que vous l'imaginez. Ça, c'est une reconstitution. C'est une reconstitution de Lucie qui nous en donne, je crois, une image assez fidèle. Voilà. Et vous pensez que nous descendons d'une chose... Alors, Lucie, qui... Bah, pas tous, Marie-Sophie. Qui est une de c'était de une fille, aïeules. Hein. Oui, c'est absurde. C'était une fille, Germaine. Une fille, oui. Alors, c'était, oui, on n'a rien de commun. L'espèce humaine n'a rien de commun. C'était une jeune femme, disons. C'était une jeune femme. Oui, oui, oui. Oui, bah, oui. La poitrine. Ou l'imagination, ou l'absurdité des scientifiques. Parlons-en quand même avec respect. Ah, mais j'en parle avec respect, madame. Mais, c'est une... mais elle avait de la poitrine, c'était une fille. C'est une australopithèque, hein, c'est ça. Et c'est une australopithèque, c'est pas vraiment une femme, c'est une australopithèque. Mais elle a quand même donné naissance. Alors, elle a quand même, oui, elle a quand même donné naissance. Qu'est-ce que c'est qu'une australopithèque? À la lignée australopithèque. Des hommes qui existent encore aujourd'hui. Marie-Sophie demande ce que c'est qu'une australopithèque. Alors, une australopithèque, c'est une, disons, une espèce ou un être vivant qui avait encore des caractères de singe, parce que ses ancêtres... C'est entre l'homme et le singe, quoi, en gros. C'est entre l'homme et le singe, oui. Alors, il y a quand même quelque chose, je crois, qu'il faut préciser. C'est comme le montre la photo, Lucie, elle marchait debout. Elle grimpe aux arbres aussi. Et puis elle grimpait aussi aux arbres, c'est-à-dire qu'elle marchait debout, comme nous, et puis qu'elle grimpait aux arbres avec une agilité sans doute comparable à celle des singes. Et autant de force aussi. Est-ce qu'elle avait une force de femme ou d'homme plutôt? Oh, bah, vous savez, c'est difficile à dire, mais elle devait avoir une force de femme. Quand on la voit grimper à l'arbre, oui. comment avez-vous pu arriver à être certaine que tout d'un coup, Lucie, de temps en temps, grimpait aux arbres? Non, mais ça, c'est des certitudes. Ce sont des certitudes. Ce sont des certitudes. Oui. C'est impossible. Qui sont dues à des travaux, à des observations d'anatomistes, parce qu'on a retrouvé beaucoup de son squelette. Et alors, on a pu étudier les articulations de ses bras, de ses jambes et de beaucoup, beaucoup de ses caractères anatomiques. Marie-Sophie a l'air non seulement d'être un petit peu dans le doute, pardonnez-moi, non, c'est la vérité. C'est pas que je suis dans le doute. Mais je viens de vous entendre dire, c'est dangereux de dire des choses comme ça. Je pense qu'il est dangereux d'affirmer des choses qui n'ont été induites que par, les cinq sens physiques. Et il n'y a que les cinq sens, la vue, l'odorat, le touchés, sur lesquels se basent les scientifiques. Ah, c'est extrêmement limité, c'est une perception tellement limitée qu'il est dangereux d'en déduire que nous descendons cette... Non, là, je crois que vous êtes un peu sévère, là, je vais défendre mes avec collègues. Avec les scientifiques, oui, c'est vrai. Je crois que l'étude des os... On n'a rien de commun avec Lucie. En même temps, excusez-moi, madame. On n'a rien de commun avec Lucie. On a plein de choses en commun, mais on ne descend pas. Un ancêtre commun. Un ancêtre commun. Alors, évidemment, elle a encore des caractères de ses ancêtres, caractères qui ont disparu à mesure que de l'évolution, et elle a déjà, et c'est ça qui est important, elle a déjà des caractères d'homme. Excusez-moi, ce sera la dernière... Une femme, c'est intéressant. Oui, oui, oui. Non mais d'homme, elle veut dire d'homme, oui, non, d'homme avec un grand âge. Comment peut-on aujourd'hui dire c'est une certitude, alors que c'est impossible de dire c'est une certitude? Qu'on puisse dire on se doute que... Mais une véritable certitude? Non. Je crois quand même, oui. Si, on peut je dire crois. Ça, oui. Je crois que quand on voit, quand on est anatomiste et qu'on voit un membre, ça, c'est possible. On peut dire ça, l'animal aussi. Qu'il avait marchait, ou bien grimpait, ou bien il marchait à quatre pattes comme donc les chimpanzés. Donc on a retrouvé Lucie. Ou bien ah oui, ouais, ça c'est clair. Hein. Et l'homo erectus, c'est beaucoup plus tard. Ah, beaucoup plus erectus. Récent plutôt. L'homo erectus, c'est l'homme debout. Hein. L'homo erectus, c'est l'homme debout. L'australopithèque est déjà debout, après il y a l'homo habilis qui est debout, et puis l'homo erectus, c'est justement, le sexe dressé, lui, déjà. Non, l'homo erectus, c'est l'homme debout, c'est pas une question sexuelle. Ah, mais non, mais c'est pas une question sexuelle. Ah bon. Mais non, mais c'est lui qui dit ça. Demandez, non. Moi, j'avais pas compris ça. Non. Enfin, en tout cas, si... L'homo erectus, il est debout. Voilà. Il marche mieux que Lucie, mais moins bien que l'homo sapiens. Bien sûr. Voilà. Et le prochain, on ne sait pas. Ça va être, Madame, en tout cas, merci de votre témoignage. Si vous voulez tout savoir sur Lucie, en tout cas, savoir ce qu'on a pu éventuellement déduire de recherche et de... Bien sûr.
Ah bah oui, non, mais... Bien sûr. Non, mais le nom vient de là. Ah, très bien. Ah, oui, oui, bien sûr, bah oui, évidemment. Une anecdote, c'est-à-dire que quand les scientifiques faisaient leurs recherches et qu'ils ont retrouvé ce corps d'Australopithèque, ils écoutaient tout le temps la chanson des Beatles, Lucy in the Sky with Diamonds, d'où le nom de Lucy. Ah, hein. Je croyais que c'était le contraire. Non, non, je croyais que c'était les Beatles qui avaient donné Lucy. Non, non, c'est parce qu'ils entendaient la chanson des Beatles qu'ils l'ont appelé Lucy. Ouais. Ah, ils auraient... Un des Beatles, c'est une réincarnation de Lucy. C'est pour ça que c'est une réincarnation. La... Vous n'aimez pas cette idée, hein, qu'on descende. Remarque, si les Beatles avaient chanté Simone in the Skies, on aurait retrouvé Simone. En tout cas, c'est aux éditions Histoire d'un jour chez Flammarion. Merci beaucoup, madame. Applaudissements pour cette dame, s'il vous plaît. Merci. Nous allons maintenant parler de votre actualité, Marie-Sophie, si vous voulez bien. Hein, si vous... Madame, pas du tout de descendre de... Non, hein? ça lui plaît pas d'éventuellement. C'est une folie scientifique. Non, mais d'où venons-nous? Et où allons-nous? On vient de nous-mêmes, on est tous pareils, on vient de nous-mêmes. Ah non, enfin, je veux dire... On vient d'une autre planète. Moi, je vous ai dit à la dernière émission que je venais d'une autre planète. C'est vrai, Vous auriez dû le dire à madame. Vous auriez dû dire à madame Péter, qui aurait sûrement eu quelque chose à vous dire à ce propos-là. Mais je suis bien, là, Marc. Mais cela dit, il ne faut pas quand même dénigrer, elle était... C'est bon, c'est pas un canon, mais mignonne. voilà. Mais je comprends que vous ayez quand même... Notre grande tante, écoutez. Oui, c'est vrai, notre grande tante. C'est irrespectueux. C'est vrai, non, mais j'ai du respect pour... Allez, on va parler de Match. Oui, bien sûr, Match, c'est un titre. Oui. C'est un titre de film. C'est un titre de film tourné sous la direction de Yves Amoureux. Oui. Avec Bruno Volkovitch, Frédéric Darry... Et Marie-Sophie. Albertine Lamolle-Molière. Bien sûr. Alors, c'est un rôle de flic, je crois que c'est la première fois que vous avez un rôle de femme commissaire, n'est-ce pas? Mais attendez, j'ai été déjà avocate dans le Tout ça pour ça de Louche, après jurée dans un film que j'ai tourné en Suisse il y a 3 mois, et maintenant commissaire. Donc d'accord. Je suis poursuivie par la justice, complètement. Très bien, voilà. On vous souhaite de ne pas avoir une mise en demeure ou un truc comme ça dans les jours ou les semaines qui viennent, ou une mise en examen. Vous pouvez nous parler un petit peu de cette histoire de femme flic donc, qui poursuit un truand gangster qui est Volkovitch. Oui, qui est Volkovitch, qui est un espèce de gentleman cambrioleur, escroc de charme. Sympathique. Je ne raconte pas la fin, hyper sympathique. Les bons escrocs ont toujours beaucoup de charme. Sinon, ce ne seraient pas des vrais escrocs. Voilà. Vous en avez du charme. C'est ça, je vous en prie, continuez, s'il vous plaît. Et donc, je ne peux pas déflorer la fin du film, puisque... Mais je ne suis pas un escroc. Non. Il ne faut pas déflorer la fin du film, puisque c'est le doux. Ils vont se courir après, ils vont se poursuivre, et puis... Il va quand même... À votre avis, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer quelque chose, peut-être. Là, vous sortez juste du tournage, hein? Oui, j'ai terminé hier à minuit. Et comment on se sent quand on vient de finir comme ça, un film? On sent un peu tout seul, parce que c'est bien d'être... C'est tellement génial, quand on est habitué à prendre des enfants en charge, enfin des gens en charge, d'être complètement pris en charge sur un plateau de cinéma, d'être complètement en adéquation avec les désirs de quelqu'un d'autre, en l'occurrence d'un metteur en scène, être en adéquation avec tout ce qui se passe, enfin avec les comédiens, avec le plateau. Donc on sent un peu seul chez soi, enfin c'est difficile de... Je suis là, Marie-Sophie. Oui. Et le temps c'est pour ça que je suis venue tout de suite, dès que j'ai fini le tournage. Ouais, sûr. Oui. Le temps entre la fin du tournage et le moment où sort le film, il y a quoi? Il y a combien de mois? Je ne sais rien, je ne me rappelle jamais. Il faut qu'il monte le film, qu'il fasse du mixage, qu'il sorte. Donc pour l'instant, vous n'avez rien vu de ce que vous avez fait? J'ai vu des rushs. Ouais. Et alors? Pas mal. Oui, pas mal. Non, c'est sympa comme film. Bon. Oui, j'aime bien. On doit avoir... C'est un peu une comédie américaine, c'est bien. Ça sort 6 mois en général, c'est 6 mois minimum, non, entre le moment où on le fait. Ça veut dire que vous imaginez facilement, dans 6-8 mois, vous replongez dans l'idée, l'ambiance du film. Là, vous êtes chaude comme un marron, c'était hier encore. Mais, non, pardon. C'est peu dire. Très bien. Mais dans 6-8 mois, est-ce que vous arrivez facilement à vous replonger dedans et en reparler comme si vous l'aviez fait justement hier? Oui, parce que j'aurais une autre idée. Je ne serais pas encore toute chaude de l'émotion du tournage. Je parlais de ça. Mais je le serais de la vision d'un produit fini que j'ai vu et qui m'inspirera. Des choses à dire. Voilà. Ah, très bien. Il y a une double actualité, Patrice. Ou triple même, allez. Oui. Ça, vous savez que il y a une actualité libre qui est importante pour vous, parce que la dernière fois que vous êtes venu, on avait présenté un bouquin que vous avez écrit pour les enfants, qui était magnifique. Alors là, vous êtes en train de travailler dessus, donc on ne va pas vraiment faire dire alors voilà, il est dans la librairie machin, juste nous dire quelques mots sur ce que c'est et vos envies. Alors c'est un livre qui va sortir sur ce qui s'appelle Les femmes dévoilées, et qui est une rétrospective de toutes les photos de femmes qui ont posé nues depuis que l'appareil photo existe. Le regard objectivé sur la femme nue existe. Ouais. Est-ce qu'il y a eu des photos de femmes nues dès que l'appareil photo a existé? Je pense que là, oui, les premières choses qu'on a dû prendre en photo quand on a eu l'appareil, c'est... Non, mais je parle de l'époque des Frères Lumière, par exemple. Je suis sûre que oui. Oui. Non, je sais pas, je pose la question. Ça veut dire que là, vous n'écrivez pas, qu'est-ce que vous faites? Je suis en train d'écrire sur la nudité.
et sur le fait de s'offrir justement au regard objectivé d'une caméra. Vous avez déjà posé nu ? Moi, j'ai posé nu en Australie pour la première fois. Je ne pensais pas du tout être capable de ça. Quand on m'a demandé de le faire, je me suis dit, mais je vais pas pouvoir. Et l'idée d'avoir peur m'a plu. Et je me suis dit, si je peux m'éviter 3 ans de psychothérapie en posant nu, c'est bien. Et ça s'est fait dans une espèce de décontraction et de bonheur total. J'ai adoré poser nu. Pour moi, c'était comme une élégance de simplicité et de nudité. C'était quelque chose de bien. J'étais avec une équipe adorable. Beaucoup de monde ? Pas trop ? Juste assez pour que ce soit vraiment bien. Non, mais c'était quelque chose de calme, de tranquille. Je vais peut-être le faire, moi. Oui, ça a l'air de rendre aimable. Je pensais pas que j'en serais capable, ouais. Et c'était agréable. Le referiez-vous ? Oui, j'ai envie de le refaire. Je viens de m'acheter un appareil photo. Et la troisième actualité, Patrice ? Alors, c'est le film pour la télévision suisse romande. Oui. Vous venez aussi de tourner. Oui. Vous n'arrêtez pas, hein ? Sous la direction d'Igal Nidam, c'est la première fois en fait que je tournais avec un metteur en scène après Lelouch. Qui s'appelle Passer sous silence. Passer sous silence. Et lui, alors qui va être diffusé lui quand ? Je sais pas. Vous savez pas non plus. Vous sortez juste aussi du tournage. Vous allez regarder les programmes et vous allez regarder ça. Ça fait 4 mois. Très bien. Il y a une autre actualité. Alors c'est la dernière fois là. Hein, c'est que là vous en sortez. On vient de parler de ça. Il y a le bouquin qui est en train de se faire et vous allez retourner de nouveau. Vous allez tourner de nouveau. Oui. Si c'est pas vraiment de l'amour, ça y ressemble. Isabelle Sébastien avec Patrick Timsit entre autres. Jacques Gamblin, Isabelle Nanty, Pascal Légitimus. Une comédie. Oui. Assurément. Une comédie de couple. Vous êtes marié avec. Ah, je vous dis pas parce que ça se déclenche à la fin du film aussi. Très bien, donc il faudra aller le voir. Voilà, ça s'appelle Si c'est pas vraiment de l'amour, ça y ressemble. Mais enfin, on n'est pas prêt de le voir parce que ça ne s'est même pas encore tourné. Donc comme ça, on est tranquille. Marie-Sophie, permettez-moi de vous présenter Franck Schlesinger qui vient de nous rejoindre et qui est accueilli par la foule. Et Franck reçoit un courrier absolument extraordinaire. Il dépouille un petit peu le courrier de l'émission. On reçoit du courrier naturellement quotidiennement. Et de temps en temps, il vient nous parler comme ça d'une réaction téléspectateur, d'un courrier. Et il essaye de nous intéresser à ce courrier. Vous allez voir, si on écoute bien, normalement. Les gens n'écrivent pas forcément très bien. Voilà, c'est toujours Jean-Paul Schmock qui écrit. C'est encore lui. C'est encore lui. Oh là là. Qui écrit très mal. Jean-Paul, on va dire. On va pas donner son nom de famille. Hein. Très bien. Cher coucou. Jean-Paul. Cher coucou. Oui. Je suis arrivé à Akninihuawa. Il y a 2 jours, et j'en ai déjà plein le... Non, plein le... Quand j'aurais dit cul, vraiment, sincèrement. Cigare. Cigare, oui. Non seulement il pleut des... Cordes. Non, des... Sauts. Le matin. Mais en plus, il dès pleut qu'on dès mange... le matin, oui. Mais en plus, dès qu'on mange, on a tendance à vos... Non, attendez, c'est Marie-Sophie d'abord, Marie-Sophie. Si vous permettez. Hein. À vos... À vos... À vos... Ciférés. À vos ciférés, que la bouffe est absolument des... Goûtante. Non, des... Désinfectée. Des... Délicieuse. Des cons... Gelé. Tente. Déconcertante. Déconcertante. Quant au vin, alors là, c'est facile. Il est pour. Non, pour. Pour boire. Il est pour nous. Tout le monde. Pour ceux qui n'aiment que la piquette. Dès qu'on sort de table, on a tellement mal au ventre qu'on a envie de chier. Oh, s'il vous plaît, hein. Dites donc. De chipoter. De chipoter l'addition. De chipoter. De chipoter l'addition. Le personnel est jeune et tingué. Dyslexique. Et les femmes de chambre sont toutes des connes. Ah, mais ça suffit maintenant! Mais Jean-Paul Schmock, il écrit pas comme enfin, ça. Enfin, dites donc. Et les femmes de chambre sont toutes des connes. Des connaissances. Des connaissances. Du patron, un ancien homo. Sapiens. Homo. Homo sapiens. Non, homo. Nier. Homonier. Un ancien homonier. Homonier qui passe son temps à les bé. Côté, côté. Non, un homonier. Il bénir, passe son bénir, temps bénir, à les bénir, les bénir. Vous lisez un peu, hein. Hier soir, comme j'aime la musique, je suis allé dans une boîte de nuit où j'ai dansé un temps go, un temps tinet, un tantinet boré. 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 Au bar, il y avait plein de filles et d'un seul coup, j'ai eu la tri. Non. Oh. Oh. J'ai eu la tristesse. Non, la tri. La tri nette impression de plaire à l'une d'entre elles. Oh, oui, c'est exagéré. Il est mal. Elle avait une bouche à su. Non, ça c'est pas possible, ça. Hein. Pas possible. Vous allez arrêter maintenant, à susurrer. Assurément magnifique et un corps à vous faire Oh non. Banquer toute la nuit. Banquer toute la nuit. Du reste, tous mes traves. Vleurs. Vleurs. Ils sont passés. Mais tout de suite, dès qu'on s'est vu, on a eu envie de faire la... La popote. La part des choses. Ouais. Moi, j'étais connu ici pour tomber toutes les... Toutes les... Minutes. Toutes les 5 minutes. Ah. Et elle, pour être une vraie ça... Samaritaine. Non, Savoyarde. Voilà. On a dansé et c'est en sortant que je me suis aperçu qu'elle avait en plus un cul.
De Jatte. Non, un cul. I. Non, culot. Un cul comme garé sur le parking. Alors, évidemment, dès qu'elle a vu ma bille... Cyclette. Elle m'a proposé de me ramener à l'autre... Bout de l'île. Bout de l'hôtel. De l'île. Ouais, arrivé chez moi... Oui, je suis perdu. À l'autre bout de la ville. De la ville. De la ville. Arrivée chez moi, elle s'est tout de suite mise à... Pleurer. Mise à... Parler. De sa mère. C'est bien, Marie-Sophie. Tout en masse... Oh, ça suffit maintenant. En mastiquant du chewing-gum. Tout en mastiquant le chewing-gum qu'elle avait dans la bouche. Très fort. Oui, ouais, elle est très forte. Ce fut une nuit formidable qui me fit oublier ma rue... Pture. Avec Fernande, car il est vrai que quand je pense à Fernande, non, je... Non, ça suffit. Pense à Fernande. Bon. Voilà. Je vous aime tous, cher coucou. Un grand merci à Christophe de Chat. Non, de Chat. De Chat. Je sais pas, moi. Chahuté tous les soirs. Avec Patrice, qui nous épate grâce à ses obes... J'ai insolite. Grosse bise à Marie-Sophie, Jean-Paul Schmock. Voilà. Merci, France. Merci beaucoup. Maxwell, ah, Maxwell Osei, ah ben, il vient du Ghana. Il est originaire du Ghana. C'est un percussionniste absolument fabuleux. Et il sera à Bagnolet, je vais le dire tout de suite, le 3 juin. Il sera surtout les 10 et 13 juin au Parc Floral de Vincennes pour le Festival International Africain de Paris. Et on va écouter un petit peu de percussion, puis si ça vous amuse. Maxwell Osei Abey, mesdames et messieurs, en direct live, allons-y, applaudissements. Qu'est-ce que c'est que cet objet, Patrice? Qu'est-ce que c'est que cet instrument? Ah, je ne sais pas. C'est une basse. C'est une, oui, basse. Une sorte de basse. C'est une basse maison. Maintenant, je vais vous inviter pour faire des baves tous ensemble. Ah, voilà. Bah, dis donc, ça va être joli. Allons-y, Marie-Sophie. Voilà. Vous jouez cela? Moi, je joue ça, très voilà. Bien, bien sûr. Et puis... C'est vous. Des petits chapeaux, oh, je vais me débrouiller, de toute façon. Hein? Plus les costumes. Ah, bah, bien sûr, Marie-Sophie. Mais je vais vous habiller. Ah oui, ça s'habille. Voilà. Très bien, Marie-Sophie. Oh, ça, c'est magnifique. Voilà, Marie-Sophie. C'est une magnifique. Ce que vous préférez? Vous préférez la gueule? Ah, ça me paraît très bien. Très bien, Marie-Sophie, vous tournez un petit peu dans l'autre sens. Où est-ce qu'on la met, Marie-Sophie? Marie-Sophie. Oh, ça, c'est... Ça va pas être... Non, elle choisit. C'est la fille choisit. Que vous voulez. Ouais. Ah, difficile, d'accord. Ça. Difficile à jouer, je crois. Hein. Il va nous montrer, peut-être, rapidement. Venez avec moi. Les caméras sont de l'autre côté. Voilà. Vous savez, vous voulez bien montrer... Comment ça joue? Oui. D'abord, vous voulez mettre votre costume? Oui. Voilà. Oui, ça qui fait quand même bon chaud, là. Non, ça dans le fond. Oui. Je mets mon costume. Je vais me débrouiller. Voilà. Montrez moi, Sophie. On n'est pas obligé de mettre tout. Non, tout. Mais enfin, ça veut dire, si on a les chapeaux. Ça sent bien. Oui, ah bah oui. Avec le rhythm. Allez. Ah, c'est pas mal. C'est plus facile pour enlever en plus. Vous mettez votre costume. Alors asseyez-vous. Hein. Comment ça se fait? C'est parti. Asseyez-vous. Qui? Vous. Je n'y crois pas. Bien. Et puis, on va chanter. Mais je peux pas, excusez-moi, je peux pas m'en vouloir, mais j'ai hyper chaud, là. Il fait chaud, oui. Ouais, je vais peut-être enlever ça, moi. On s'assied? Oui, on s'assied. Lève-toi.
Alors, c'est parti. C'est parti. C'est parti, mon chapeau. On va chanter, on va faire une phrase. Timasen. 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 Oh, oh, Timasen. Merci beaucoup, bye bye. J'ai fabriqué les chapeaux. Les chapeaux, c'est moi qui ai fabriqué. Ah, c'est vous qui avez aussi fabriqué les chapeaux. Les costumes. Et les costumes et tout ça. Et vous jouez le festival international. Le 12. Le 12, voilà. Où ça? Au parc international de Vincennes. De Vincennes, voilà. Merci beaucoup. Les chapeaux, il y a tout. Magnifique, ça va être un spectacle chaleureux. Voilà. Et on vous souhaite une excellente soirée avec vous. C'est sûr que ça va percuter. Merci beaucoup, applaudissements pour l'hiver. C'est la publicité, Marie-Sophie, Franck et Toto Team. A tout de suite. Merci beaucoup. Mesdames, messieurs, nous voici de retour au centre de la maison de la radio pour cette ultime partie de Coucou, c'est nous, avec Marie-Sophie qui nous accompagne, Franck qui est resté, il a bien fait. Et pourquoi vous êtes mis là, vous dites donc? Pour être plus près. Mais vous étiez bien là, près de Patrice. Je suis mieux là. Si vous sentez mauvais, il faut le dire. Ah ouais. J'osais pas le dire, moi ça fait un moment. Ah. Alors, Patrice. Allez, ni oui ni non. Ni oui ni non, immédiatement. Ah, peut-être avant. Vous allez participer. Quoi? Une petite annonce. Ah oui, 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 tout à fait. Bah oui, c'est le week-end. C'est le week-end. C'est-à-dire que ce soir, demain soir, tout ça, il y a nightclub, boîte de nuit et tout ça. Donc si vous allez en boîte de nuit, par exemple, vous demandez à votre DJ préféré de vous passer sur la platine ce disque-ci, Malco, Cuckoo's Dance, n'est-ce pas? Et là, vous êtes sûr, sûrement, si vous aimez la dance de vous. Et si en plus vous voulez celui-ci, vous pouvez faire le 3615, il y en a quelques-uns à gagner, le 3615 code TF1, en disque compact. Celui-là, il y a 7, c'est tout un remix, machin. Et celui-là, donc 3615, machin. Et même chez les disquaires, je crois, Patrice. Hein. Absolument. Voilà, donc le ça, c'était pour vous le dire. Si vous allez en boîte de nuit, n'hésitez pas à aller taper à la vitre du camarade qui passe le disque pour lui demander de passer ça. Patrice. Ni oui, ni non avec les gendarmeries. Ouais, vous êtes très forte en ni oui, ni non, on m'a dit, c'est vrai. Joué, hein. Je sais pas. Vous avez déjà joué, non? On va voir. Vous avez déjà joué? J'ai joué souvent, mais ouais. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Bah, vous allez vous y remettre très vite. C'est comme le vélo, ça ne s'oublie pas. Première gendarmerie, allons-y, bonsoir. Bonsoir, Sennery. Cambrai, dans le Nord. On va faire de bêtises. Bêtises. Voilà. Vous aimez les bêtises de Cambrai? C'est bon. C'est bon. C'est blanc et jaune, là, c'est bon. Sucré, tout ça. Allô? Oui, bonjour, ici de Chavannes, coucou, c'est nous. Et... Oui, oui, monsieur, nous sommes en direct avec Marie-Sophie, Patrice, tout ça. C'est pour... Cambrai, je vais me faire carton à quel gendarme? De Chavannes. Christophe de Chavannes, coucou, c'est nous. À côté de moi, Marie-Sophie. À côté de moi, Patrice. Et Franck, monsieur. Êtes-vous prêt pour un ni oui ni non, monsieur? Attendez, je vous passe le gendarme de permanent. Ok, c'est gentil, merci beaucoup. C'est ça, on ne le répétera jamais assez. Ils ont monté une unité spécialisée à gendarmerie pour les ni oui ni non. Une cellule de crise, en quelque sorte. Oui, ils nous le passent. C'est ça. C'est pour l'instant, il est en train de le prévenir. Il était au pipi room, il va revenir d'ici quelques secondes. En entraînement, peut-être. Il était en entraînement, ouais. Oui, en pleine séance de chauffe, en warm-up. Ouais. Attention, t'es prêt? Oui. Ah ben non, dis pas ça, t'as perdu, t'es prêt? Absolument, ok. Ils vont nous le passer. Affirmatif. Positif. C'est-à-dire que là, il faudrait vraiment nous le passer. Ils s'entraînent, là. Oui, ils sont en train. Ils s'entraînent, ils connaissent le coup, ils sont en train de se... Mais bien sûr, c'est ce que je vous dis. Mm-hmm. N'écoutez pas du tout ce que je vous dis. Non. Bien. Pour oui, tu dis affirmatif, pour non, négatif. Vous n'avez pas un journal, un truc, qu'on lise 5 minutes? Je vais vous offrir un petit truc parce que vous aimez bien, comme vous aimez beaucoup les enfants. C'est une ligne de produits, c'est un monsieur qui a inventé ça, de produits de beauté pour les enfants. Ça s'appelle Kikinou. Mais ils sont toujours beaux, les enfants. Oui, mais c'est le parfum Kikinette et Kikinou. Non, mais ça évite de leur mettre des produits. Kikinette c'est créé par monsieur Passereau. Kikinette et Kikinou. Kikinette et Kikinou. Pour parfumer la Kikinette? Et le Kikinou. Et le Kikinou. Probablement. Jean-Marie de Cambrai? Oui, c'est toujours de Chavannes, monsieur, je suis toujours là. Pour un oui non, c'est vous qui êtes avec nous? Bah, attendez. D'accord. C'est un joli cadeau. Alors, le kikinette, les kikinettes, kikinettes. Il y a de l'eau de fraîcheur, il y a du lait de toilette, du shampoing et du gel de bain, du savon. Et ça sent le cadeau. Ça sent le bébé. Ça sent le bébé, c'est très mignon. On peut vous l'offrir? Ah oui, c'est M. Passereau qui a. Voilà, ben, non, oui, c'est pour vos enfants. Allô, monsieur? Oui. Ah, pardon, c'est toujours de Chavannes, donc pardonnez-moi, c'est toujours vous? C'est à nouveau. Vous êtes à nous, un autre gendarme, monsieur, peut-être à l'appareil? Cambrai? Monsieur? C'est Christophe de Chavannes à l'appareil. Alors attention, à côté de moi Patrice Carmouze, à côté de moi Marie-Sophie Berthier et Franck Schlesinger. Vous êtes avec nous?
Je ne suis pas certain qu'il soit avec nous. Nous sommes avec la gendarmerie de Cambrai, je le répète. Êtes-vous avec nous, monsieur? Alors, je vais donner une petite précision. Nous sommes mercredi, nous enregistrons pour vendredi. Êtes-vous avec nous, monsieur? Bien. Allô? Non, il n'a pas raccroché. Allô? Monsieur, vous êtes toujours avec nous. C'est donc De Chavannes, je répète. Coucou, c'est nous. Nous sommes mercredi, on enregistre pour vendredi. Êtes-vous avec nous, monsieur? Non, ne quittez pas. Hein. Oh là 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 là. Allô? Ah, cela dit... Chut. Ah, mais... Quand il y a des grandes gendarmeries, forcément, il y a plein de gendarmes. Donc il faut qu'ils trouvent dans l'eau. Mais on va peut-être pas faire deux heures non plus avec Cambrai. Alors, où ils veulent jouer tout de suite ou pas? Êtes-vous là, monsieur? Bien. Oui, on est là. Ah, vous voulez jouer avec nous, alors, monsieur? On va jouer avec vous. Mais enfin, faut pas vous obliger. C'est pour, c'est pour qu'on s'amuse ensemble, pour un filet garni au bout, éventuellement, si ça vous intéresse. Ça nous intéresse. Ça nous intéresse. Alors, attention, c'est parti. Vous êtes gendarme vous-même? Je suis gendarme. Quel âge avez-vous, monsieur? 34 ans. 34 ans. Quel est votre prénom? Yannick. Yannick, vous n'êtes pas joueur de tennis? Hélas. Hélas, bien joué. Marie-Sophie a peut-être une question à vous poser. Il a 34 ans, est-il célibataire, a deux enfants, je ne sais pas. Est-ce que vous êtes célibataire? Divorcé. Ah. Et vous avez des enfants? Trois enfants. Trois enfants? 34 ans, trois enfants divorcés, monsieur... Trois enfants? Deux ou trois? Trois enfants. Trois? Trois. D'accord. Ouais. Bon. Oui, pas 5, pas 12. Voilà, ok. Est-ce que vous avez pris vos congés déjà ou est-ce que vous allez les prendre plus tard au mois d'août? Je dis ça, c'est pour éventuellement le filet garni, je ne sais pas ce qu'il y a dedans, mais on ne sait jamais. Vers le mois de juillet. Au mois de juillet. Vous avez pris vos vacances pour juillet? Je pars en permission au mois de juillet. Permission. Combien de temps? Une semaine? Trois semaines. Trois semaines? Et ils nous ont sorti le spécialiste, c'est sûr. Ouais. Vous savez déjà ce que vous allez faire ou pas? Pendant les vacances? Je travaille chez moi. Ah, bricoleur? Bricoleur. Bricoleur du dimanche ou amateur éclairé? Du dimanche. Du dimanche, très bien. Vous avez une, pardonnez-moi, une nouvelle personne dans votre vie? Logiquement. Excusez-moi? Logiquement. Logiquement, très bien. C'est-à-dire que bon... Automatiquement. Automatiquement. En général, il n'y a aucune logique dans ce genre d'histoire. Ouais. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Vous êtes gendarme plutôt de terrain, non? Je pense. C'est-à-dire qu'il a gagné, mais il a pris son temps. Hein. Enfin, il a gagné. Il a gagné. Messieurs, applaudissements. Ouais. Il a déjà permis à sa gendarmerie de gagner quelque chose. Ah bah, il a déjà permis à sa gendarmerie de gagner un téléviseur stéréo Casio 71 cm. Ça, c'est pour tous vos camarades gendarmes. Pal Secam, Black Matrix, coin carré et tout ça, avec Marie-Sophie, toute bleue, un petit peu bleue. Hein. Patrice, ensuite? Et ensuite, un séjour d'une semaine pour deux personnes. Ah oui, mais non, on ne peut pas, parce qu'il n'a pas une deuxième personne. Si, logiquement. Ah, c'est exact, ouais. Surtout que d'ici là, l'eau peut couler sous les ponts. Une semaine pour deux personnes à Ibiza, jeune homme. Ibiza? Oui. Ibiza, oui, avec Starter. Vous pouvez dire oui ou non maintenant. Hein, vous séjournerez à l'hôtel 4 étoiles Luxe Torre del Mar, situé en bord de mer. Absolument magnifique, avec les mouettes, l'eau, le sable. Le soleil. Oui, vous aimez le soleil? J'adore le soleil. Vous adorez le soleil. La mer? La mer, on... Oui, il a dit oui. Ah bah c'est perdu, en fait, je plaisantais, c'était pas fini. Non, vous avez pratiqué le tennis en plus, les sports nautiques. Tout ça, il le sait parfaitement bien, les paysages sauvages et les charmes de la vie nocturne. Plus, pour garder des souvenirs, vous recevrez un appareil photo, le IS-1000, dont Patrice 100. Le IS-100, pas le Patrice 1000. IS-100 d'Olympus, réflexe autofocus, 28 mm, 110 mm, avec flash automatique et tout ça. Ça vous va? Rappelez-nous votre prénom. Yannick. Yannick, ça vous va Yannick? Ça me va, très bien. Bien. Je vous remercie. Mais c'est avec plaisir. Qu'est-ce que ça doit être quand vous sautez au plafond? On vous souhaite une bonne soirée. Je rappelle que nous étions avec la gendarmerie de Cambrai. Que nous applaudissons, mesdames, messieurs. Merci beaucoup. Patrice. Alors, on a parlé des vacances. On vient de parler des vacances avec Yannick, le gendarme. Mm-hmm. Et c'est vrai qu'il faut être en forme. Il faut se remettre en forme juste avant les mois de juillet et d'août. Mm-hmm. Et Anne-Béatrice va nous donner 2-3 conseils pour ne pas être tout à fait ridicule sur les plages et au bord de la mer. Alors là, si mes souvenirs sont bons, vous aviez déjà rencontré Anne-Béatrice lorsque vous étiez venu ici. Et j'avais vu sur votre visage s'épanouir comme ça, un grand sourire de plaisir, de faire quelques efforts physiques. Eh bien, pour vous ce soir, on va remettre ça. Quand vous me dites que Béatrice donne des conseils pour ne pas être ridicule, j'ai du mal à vous croire. Dites donc. Pour être ridicule. Non, ce que Patrice veut dire, c'est que quand vous allez arriver sur les plages du mois d'août, sur la Côte d'Azur cet été, vous allez pouvoir vraiment vous laisser aller totalement parce que vous aurez tout en main grâce à Anne-Béatrice. Allons-y, on va s'installer. S'il vous plaît, Anne-Béatrice, mesdames, messieurs, là voilà. Bonjour. Ça va bien? Bonjour. Vous venez, vous avez dans la piscine. Oui. Pour rentrer dans la piscine. Là, ça manquerait un tout petit peu de lumière par ici, si je puis me permettre.
Alors, faut... il va falloir être Attends. Un petit peu de lumière, peut-être. Ça vient? Ça vient. Alors, Anne-Béatrice, de quoi s'agit-il aujourd'hui? D'abord, on va crawler. Alors, on crawle. Crawler, ça veut dire ramper. Donc, on rampe sur l'eau. Et c'est vrai qu'on a tous des habitudes, en fait, qui ne sont pas forcément les bonnes. Alors, pour vous aider à avoir les petits trucs qui vont vous permettre de vous transformer en hors-bord, ben, je vous propose deux petits exercices. Bien sûr. Voilà. Alors, il faut rentrer dans la piscine d'abord. Déjà, il faut avoir ça. Il faut avoir un grand salon. Hein. Oui. Hein, déjà, il faut avoir la piscine et les ballons. Alors, tant qu'à faire. Alors, c'est un jeu dans lequel il faut s'installer dans une piscine. Et vous savez que quand on tape des pieds, on n'est pas efficace. Donc, pour vous aider à être efficace dans une piscine, il faut rentrer dedans d'abord. C'est-à-dire? Bah, il faut vous mettre avec moi dans la piscine. Ah oui, d'accord. Bah, on va. Voilà. On va tous se mettre sur le bord. Marie-Sophie, à côté de moi. Non, on va carrément rentrer dans la piscine. Alors, vous pouvez venir avec on enlève nos chaussures, non? Même pas. Ah, on les garde. On sera plus à l'aise. C'est même pas la peine. Alors, il faut vous installer dans la piscine. Après. Et vous savez que quand on donne des coups de pied, en fait, les petits coups de pied, il faut imaginer que vous soulevez des bulles de savon. Alors, pour matérialiser les bulles de savon, y a des bulles les ballons. Fond, hein. Alors, l'idée, c'est de, de c'est frapper rigolo, l'eau comme si vous aviez des petites bulles de ballon. Attendez, ça va. Ah, c'est rigolo, hein. Ah, c'est connaissant, c'est bien. Ça va. Vous voulez que je me décale un petit peu? Voilà. Anne-Béatrice, venez un petit peu près de moi. Alors, le jeu consiste à c'est celui qui va envoyer le ballon, le plus de ballons, à l'extérieur de la piscine en donnant des petits coups de pied pour assouplir la cheville. Parce que tout est dans la souplesse de votre cheville désormais. Alors, allez-y. Juste les pieds, juste pas les jambes. Hein. Pas les jambes, Marie-Sophie. Les chevilles. Il faut allonger les jambes, en fait. Un peu de ballon. Bon, et le but? Alors, il faut assouplir les chevilles. L'idée, c'est d'assouplir les chevilles. Donc, ne trichez pas. Non, bah, c'est mon genre. Donc, je suis assise sur les ballons. Non. Ah bah oui, vous êtes assise où ça? Alors là-bas ils sont très mauvais parce qu'il leur en reste. Sur un ballon ou sur une... Sur les boules. Sur les boules moi aussi, mais... Ah mais c'est normal. Ça y est, je les enlève. Voilà. Donc vous avez enlevé le maximum de ballons de la piscine. Oui. On peut continuer avec toutes les petites boules, mais c'est plus difficile parce qu'il faut travailler en résistance. Ah oui. D'où des boules plus importantes. Oui. Il y a de l'eau là? Aïe. De l'eau, non. Bah, il y a quelqu'un qui a fait pipi alors. Il fallait pas. Je propose de nous extraire très rapidement dans ces conditions. Oui. Et de travailler les bras. Parce que vous savez qu'une fois qu'on a bébé. Là, on sort de la piscine. On n'a plus le piège des jambes. Eh bien, il faut travailler les bras. Bien sûr. Et c'est vrai que tout le monde, en fait, fait des moulinets avec les bras. Erreur. C'est un tort. Parce que c'est pas efficace. Il y a plusieurs méthodes pour le coup. Là, il y a la méthode, Johnny Westmuller, qui était particulière. Voilà. Qui était comment? Qui était Tarzan, quoi? Qui était, oui, Tarzan, la tête en dehors de l'eau. Aïe, 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 aïe. Ah oui, la tête en dehors de l'eau. Sur les boules, ça fait mal, hein? Bien sûr, oui. Alors, je vous propose de me suivre. Comment? Je vous propose de me suivre. Oui. Pour aller travailler sur les bras. Ah, c'est fini, la pipi? La piscine? Ah bah oui, maintenant que... Il faut vite dégager, parce que... Ah non, non. J'aurais bien tenté un jour... Faut essayer ça, au moins. Prenez, là. Vachement bien. Allez-y, c'est vachement bien. En tout cas, c'est bon. Ah, c'est bien. Très rigolo. Laisse calme. Alors, il y a un problème avec les bras. Alors, je vous emmène par ici. Ah oui, prenez des boules. Prenez chacun des billes. Deux minutes. Il faut en prendre chacun. Prends les boules. Bon, allez, Anne-Béatrice. Allez, faut que vous les gardez. Non, non. Ça suffit, Anne-Béatrice. Allons-y. Chut. Allez, faut les garder, Christophe. Ah, faut les garder, pardon. Et oui, alors, l'idée, c'est que tout le monde fait comme ça. D'accord? C'est inefficace. Ah, venez, Marie-Sophie. Pardon. Non, après. Attention. Vous avez raison. Alors, rapidement, il reste 1 minute 30. Donc. Il faut absolument que vous renforciez votre efficacité sur ce qu'on appelle le trajet aérien des bras. Uh-huh. Il y a quelqu'un très bien qui a inventé un exercice qui consiste en fait à faire le bon mouvement des bras. Uh-huh. Vous savez que... Patrice, quand vous voulez, vous êtes avec nous. Hein. Au lieu de travailler avec des moulinets, mais vous allez imaginer que votre main, vous l'amenez vers le nombril. Hein, et qu'ensuite, il y a une phase de poussée. Donc, il faut pousser la main vers l'arrière. Et ensuite, il faut frôler la surface de l'eau et ramener l'eau. Et ramener la main vers l'avant, d'accord? Donc l'idée de l'exercice, c'est de garder la main ouverte, totalement ouverte. Alors c'est un exercice qu'on peut faire à sec. Donc la main, elle va rester ouverte tout le temps du trajet, d'accord? Le plus longtemps possible. Moi aussi.
Moi aussi, Marie-Sophie, moi aussi. Alors maintenant, une fois que vous devez ramener la main vers le plancher, bien sûr, vous... Mais ça, c'est vraiment... Le but, c'est quoi, pardonnez-moi? C'est donner le vrai geste. Le vrai geste. Pour pouvoir nager le crawl et vraiment bien envoyer l'eau derrière et tout ça. C'est l'exercice le plus intelligent, entre guillemets, pour renforcer votre rapidité et surtout l'efficacité du geste, du bras qui doit sortir de l'eau et qui doit rentrer dans l'eau pour vous propulser. Très bien. Donc, l'idée, c'est de faire ça avec les deux mains. Si on fait une course, donc, c'est déjà arrivé. Alors, c'est celui... C'est pour s'entraîner, Marie-Sophie. Avec les deux mains. Vous n'allez pas aller sur la Côte d'Azur au mois d'août avec vos boulettes dans les mains. Alors. Voilà. Alors, c'est celui qui va garder la balle plus longtemps. Ça, on a déjà essayé, là. Alors, on peut faire ça avec des œufs, avec des balles de ping-pong, en fonction des grosseurs des mains. Donc, il faut que vous entraîniez. Parce que tout est une question d'entraînement. Bon, ensuite. Alors, ensuite, ça, vous le faites à la maison. Une fois que vous avez fait ça, il y a un dernier piège dans le crawl, c'est la respiration. Oui. Alors, tout le monde respire tout le temps du même côté. Or, on souvent. Perd. Exactement. On perd de l'efficacité en respirant tout le temps du même côté. Vous respirez de quel côté dans le crawl? Voilà, exactement. C'est souvent le premier geste qui compte. Donc, l'idée, c'est de compter ses respirations en restant 4 temps dans l'eau et le 4e temps, vous soulevez. C'est ça, c'est 1, 2, 3, 4. Non. Ça a l'autre sens, moi. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12. Voilà, donc, très bien. Vous tournez la tête à droite et à gauche en comptant 4. À mon avis, dans quelques secondes, on va se quitter. Donc, Anne-Béatrice, vous nous montrez très rapidement quelque chose d'autre. Alors, vous allez vous installer à plat ventre. Oh, pardon. C'est toi qui l'as pris? Excuse-moi. Non. Alors, vite, maintenant, vite, vous allez vite. Vous installer à plat ventre. Vite. Parce que maintenant que vous avez tous les bons ingrédients... Marie-Sophie, rapidement, je vous rappelle quand même que Marie-Sophie, vous pouvez la retrouver dans Match de Yves Amoureux et la réalisation en ce moment d'un livre sur les femmes dévoilées qu'on verra plus tard, mais on aura peut-être l'occasion d'en reparler ensemble, Marie-Sophie. N'est-ce pas? Non, c'est parce qu'on est en train de se quitter, même, messieurs. Merci beaucoup, vous dites au revoir à tout le monde. Merci Anne-Béatrice, salut Franck, salut Patrice, merci Marie-Sophie, au revoir!